Alors, la parcelle d'Aronnay, c'est ce qu'on appelle les Rugiens-Bas. Elle part de la pointe côté Volnay pour aller en direction de Beaune en s'élargissant. Et au-dessus, vous avez les Rugiens-Haut, à mi-coteau. Voici une des parcelles au centre du dossier. L'autre se trouve à quelques centaines de mètres plus au nord, les Epneaux, les petits et les grands Epneaux. Le tout représente une quarantaine d'hectares sur les 340 que compte l'appellation. Mais l'enjeu, lui, est de taille. Il s'agit de faire reconnaître qu'ici, rien ne ressemble à ce qui se fait autour. Le sol est un peu différent, le climat est différent. C'est toujours là où, comme les Epneaux, où les endroits c'est plus précoce de maturité, on a toujours des plus beaux raisins. On a toujours des vins d'exception à toutes les dégustations. Mais en 1936, lors de la création des AOC, un grand cru ici ne paraît pas indispensable. Le souci est ailleurs. À l'époque, sous le nom de Pommard est vendu tout et n'importe quoi, beaucoup de piquettes et des deux couleurs. L'objectif principal des vignerons à cette époque-là, ça a été de défendre ce nom de Pommard en créant une délimitation du village qui soit assez stricte. Donc c'était pour ne pas se faire usurper ce nom de Pommard qui est extrêmement important. Aujourd'hui, les temps ont changé et pour les porteurs du dossier, deux grands crus seraient une façon de réparer l'injustice faite à ces deux parcelles et aux vins qui sont faits dessus depuis des décennies. Ce serait également un plus pour toute l'appellation. Pour un village comme Pommard, ça relance Pommard dans une logique d'excellence, une logique de produits les plus aboutis possibles, de qualité, pour pousser chaque viticulteur à donner le meilleur de lui-même. Une excellence qui permettrait aussi de valoriser financièrement ce travail et cette histoire. Passer de premier à grand cru peut faire exploser le prix des terres et des bouteilles.